Salut, futurement. Tout le temps de cette vidéo le 18 juin, je te rappelle. On avait tellement de bons souvenirs ici, c'est pas vrai. Toutes nos amitiés, notre copine en ce moment même. J'espère que maintenant, de copine, elle a passé à femme. Parce que, franchement, avec elle, c'est magique. C'est tout parfait. J'espère que dans 10 ans, elle sera toujours là avec toi. Grâce à elle, on a appris à faire des trucs qu'on n'a jamais cru apprendre un jour. C'est vrai, on a appris à changer des couches, à faire dormir un bébé. J'espère que t'as choisi un joli nom pour notre petite fille. Maman, si tu vois cette vidéo avec eux, avec moi-même dans 10 ans, mon futur, prends soin encore de ton fils. S'il te plaît, toi aussi, prends soin de maman. Parce qu'elle, elle le mérite. Tout ce qu'elle a fait pour nous, je te rappelle. Elle a galéré, galéré. On lui demandait toutes des choses, elle nous donnait des jeux vidéo, des vêtements, elle nous donnait tout, pareil. Franchement, on s'en est. On se rappelle toujours le jour où maman avait rencontré notre beau-père. Elle nous disait toujours, c'était souvent, c'était des amis, tout ça. Mais elle voulait pas nous dire. Et maintenant, ça fait partie d'un des hommes les plus importants de ma vie. Et lui, il me considère comme son vrai fils. Franchement, c'est magique, magnifique tout ça. S'il est toujours avec elle, prends soin de lui aussi. Surtout prends soin de lui. En ce moment, c'est vrai, je fais des galères avec lui. On se dispute. Mais bon, comme tu le sais, c'est des trucs de jeunes. Et j'espère que tout va bien et que cette fois-ci, papa, notre vrai père, il a changé. Qui maintenant, il veut s'intéresser à nous. Parce que là, en ce moment, c'est tout compliqué. Quand on est parti habiter chez lui, ouais, on mangeait, mais pas comme chez nos parents. Des fois, on passait faim toute la journée et on mangeait que la nuit. La journée, des fois, on mangeait que peut-être des fois des chips ou d'autres. En fait, j'avais pas le temps parce que papa était toujours au boulot et il avait presque pas le temps pour nous. J'espère que papy est toujours là. Franchement, notre petit papy, il est vraiment ma petite vieux. Il nous a appris beaucoup de choses de notre origine amérindienne. Il nous a appris comment faire du couac, par exemple. Aller éplucher les maniocs. Franchement, ça a été l'une de mes plus belles expériences avec mon grand-père. C'est un homme fort. Et ça, tu l'as toujours su que c'est un homme fort. Et maintenant, en ce moment, il est un peu très mal, il peut plus faire ce qu'il veut trop. Mais c'est pas grave parce que c'est de son âge, n'est-ce pas? C'est vrai, tout le monde doit partir un jour. Mais on veut le voir, pas vrai. Merci de m'avoir écouté. Et j'espère que cette vidéo va te plaire. Enfin, va me plaire dans 10 ans. Et j'espère qu'avec cette petite dent cassée, t'as réussi à l'arranger. Bon, ben, au revoir. Futurement. À bientôt. Dans 10 ans. Oh, cher futur moi, dis-moi comment tu vas. Rassure-moi, tu t'es pas mis dans de beaux draps. Il m'arrive de faire des faux pas, mais je ne baisse pas les bras. J'ai compris que la vie est devenue synonyme de combat. J'ai trouvé ma place, j'ai trouvé la vibe. Je suis sous l'emprise de la mélodie. Depuis je ne m'en passe, je ne dors pas le soir. Je ne fais que du bruit dans les rues de ma ville. Des fois c'est compliqué, mais je me dis que ça va aller. Donc je reste positif et je vise la lune pour atteindre le sommet.